Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne YouTube Mécanique Sportive, c'est Nicolas et aujourd'hui je vous présente le Audi Q4 e-tron. Donc comme d'habitude, on va présenter la voiture entièrement, donc de l'extérieur, de l'intérieur, voir les sièges à l'avant, à l'arrière et ensuite faire un petit tour sur route, enfin même un grand tour avec de la nationale, de la départementale, de l'autoroute, de la ville, vraiment l'essayer dans toutes les conditions possibles. Et voir ce que ça donne. Donc le Q4 e-tron, e-tron c'est pour les versions électriques chez Audi, donc une 100% électrique comme on peut le voir là avec ses cadences spécifiques. Donc on commence par faire le tour de la voiture et ensuite on va l'essayer. Bon, pour vous présenter un petit peu le Q4, donc c'est le nouveau modèle Audi, on suppose, hein, comme son nom l'indique, qui se situe entre le Q3 et le Q5. Donc c'est un petit SUV urbain, enfin un moyen SUV urbain, puisque au niveau de son gabarit, ça reste une voiture de taille correcte, hein. D'ailleurs au niveau de la taille, il fait 4,59 m de long, 1,86 m sans les rétros, donc il est quand même plutôt large, et 1,63 m de haut, avec ses belles petites barres de toit ici, façon alu, très sympa. Au niveau du poids du véhicule, donc on est entre 2000 et 2200 kg selon les versions. Par rapport aux versions, donc on a deux choix de batterie et trois choix de motorisation. Au niveau des batteries, on aura 55 kWh et 82 kWh. Au niveau des motorisations, donc ils appellent ça 35, 40 ou 50. La version 35, elle fera l'équivalent de 170 chevaux. La version qu'on a aujourd'hui, c'est la 40, qui fera l'équivalent de 204 chevaux. Et il y aura la version 50 Quattro, qui sera la plus puissante, qui fera 299 chevaux. Elles sont en propulsion pour les deux premières et juste la version Quattro, comme son nom l'indique, sera elle une 4 roues motrices. L'avantage, c'est celle-ci avec les grosses batteries. Donc la petite aura les petites batteries et les deux modèles supérieurs auront les grosses batteries, donc 82 kWh. L'avantage de celle-ci, c'est qu'elle a qu'un seul moteur, donc autonomie un petit peu prolongée. Les autonomies pour la 35, ce sera aux normes WLTP, 310 km. Celle-ci, c'est 470 km. Et la 50, ce sera 412 km. On m'a annoncé que celle-ci, si on faisait que de la ville, on pouvait aller jusqu'à un petit peu plus de 500 km. Donc moi, je vais faire vraiment un usage mixte avec de la ville, de l'autoroute et autres. Et on va voir ce que ça donne niveau consommation. Par rapport à la recharge, comme la plupart des voitures, en 30 minutes, on récupère 80% de l'autonomie. Donc là, c'est en gros de 5 à 80%, environ 30 minutes. C'est annoncé un petit peu moins, 22 minutes, j'ai de 5 à 80%. Et au niveau de la recharge, pour la petite version, on pourra monter jusqu'à 110 kW. Et pour les versions supérieures, avec les grosses batteries, on sera à 125 kW de recharge. Sinon, comme on peut le voir déjà de l'extérieur, c'est un nouveau design, nouvelle calandre, nouvel avant. Et à l'intérieur, on verra également que ça a été redessiné. Et c'est les nouvelles versions d'Audi, surtout pour ces versions e-tron. Il y a quand même un petit effort qui a été fait comparé aux autres. Allez, on commence ici sur l'avant. Alors, première chose, moi, qui m'a marqué, c'est ces feux ici Matrix LED. Donc, les Matrix LED, c'est une option. Ça vaut 1350 € environ. Par contre, moi, je vous conseille vraiment de les prendre. Ils sont magnifiques. Et vous voyez là, les petits traits. Donc, c'est bien dessiné. Et on peut personnaliser l'endroit où on veut ces petits traits. Donc, je vous montre là. Comme on peut le voir, ça change. On peut avoir différents designs, je trouve ça très sympa. Et la cinématique à l'ouverture, donc lorsqu'on s'approche et on ouvre le véhicule, on a une cinématique à l'avant et à l'arrière. Donc je trouve ça top, ça personnalise vraiment votre voiture. Et ça ajoute quelque chose de supplémentaire comparé aux autres. Pareil, donc ces feux adaptatifs, automatiques, ça met les pleins phares tout seul. Enfin, le top du phare. Le capot ici, donc légèrement creusé. Des deux côtés, ça nous fait juste deux petites lignes ici. C'est simple, efficace. Le but des voitures électriques, c'est que ce soit le plus aérodynamique possible. Donc, calandre ici pleine. Pareil, là, on voit que tout est plein. Alors, c'est rare de ne pas voir les entrées d'air ici qui sortent dans les arches de roue. Mais ils ont décidé de laisser ça plein ici.
Donc voilà, on a quelque chose de très lisse avec quand même des petits miroirs ici, du petit chrome pour se dire, bah voilà, c'est une calandre. On a encore l'habitude d'avoir des calandres. Si c'était full plein, ça pourrait faire bizarre. Les gros logos Audi ici qui intègrent les capteurs ACC pour le régulateur adaptatif et autres, couplé avec la caméra qui est là-haut. Donc ça, ça nous donne les aides à la conduite de niveau 2, centrage dans les voies, régulateur adaptatif. On verra ça tout à l'heure pendant la conduite, mais ça, c'est vraiment l'idéal. Et pour moi, sur du premium, ça devient obligatoire. Une petite caméra là, on a la caméra avant, sous les rétros et à l'arrière, donc avec les caméras 360 degrés. Le petit rappel e-tron ici. Donc ici, on voit que c'est plein. On a juste l'entrée d'air ici sur les petites grilles en bas pour aller refroidir le système de batterie. Les petits capteurs ici de parking et cette lame façon alu qui a l'air d'être dans un plastique plutôt qualitatif. Enfin, tout a l'air plutôt qualitatif sur cette voiture. Au niveau des couleurs, on aura le choix de 8 couleurs. Aujourd'hui, on a dans ce gris qui est avec des petits reflets bleutés. C'est vraiment sublime. Audi me gâte à chaque fois qu'il me prête des voitures. Il me les donne dans de très très belles couleurs. On aura plusieurs finitions. Aujourd'hui, on a une finition S-Line. Pendant qu'on parle des finitions, on va parler du prix. Elle commence à partir de 42 800 euros et pour une version full haut de gamme jusqu'à la version prestige, on sera aux environs de 70 000 euros. Bien sûr, sur les plus petites versions, on a le droit à des aides de l'État. Donc, ça enlève un petit peu des 42 800 euros de base. Pendant qu'on est à l'avant ici, donc je vais vous ouvrir le capot. Malheureusement, on n'a pas de coffre à l'avant. Ça, c'est un petit peu dommage. Je sais que beaucoup de personnes qui cherchent des voitures électriques souhaitent un coffre à l'avant, mais là, on a vraiment tout qui est rempli. Donc, pas possible, malheureusement. On reconnaît que c'est une Audi. Ce que j'aime bien sur le côté, alors là, on ne voit pas trop de jour, mais on a les feux ici qui amènent de l'éclairage. Et pareil, de l'autre côté ici, avec les bandes et le petit sigle Audi. Pareil, petit rappel du sigle Audi ici. Ça, c'est une option, c'est juste un sticker, ce qu'on peut enlever. Alors, moi, j'avoue que je ne suis pas très fan, ça fait un petit peu trop pour moi. Sur le côté, donc, on reconnaît ce petit SUV. Toujours les codes, hein. Ça c'est vraiment le nouveau truc à la mode. On entoure les arches de roue, on fait le tour de la voiture avec du noir ou du plastique. Là c'est une sorte de gris un peu qui ressemble à celui de la carrosserie, mais en plus foncé. Vraiment, ça colle très très bien. Le petit finition S-Line ici, donc on a des jantes. Aujourd'hui, donc avec ces caches que l'on peut enlever, c'est du plastique. Ça joue pour l'aérodynamique. On bénéficie aujourd'hui des jantes les plus grandes disponibles, donc ça va du 19 au 21 pouces comme on a aujourd'hui. Donc le 21 pouces, comme on voit, ça remplit bien large de roues, ça met des pneus un petit peu plus fins. Alors, plus on a des jantes grandes, moins c'est confortable. Donc, on aura quelque chose d'un petit peu plus rigide. Selon le confort que vous souhaitez, plus vous prenez des petites jantes, plus l'épaisseur du pneu va amortir. Donc, à vous de choisir ensuite si vous préférez le look ou le confort. Personnellement, moi j'opte pour le look. Sur les rétros, donc, on a du biton avec couleur carrosserie en haut, il a du plastique en bas, le répétiteur de clignotant et la petite caméra pour le pack 360, comme je vous disais. Des poignées de frigo avec le petit bouton sur lequel on appuie pour verrouiller le véhicule. Une petite bande ici, juste sur le bas, avec cette façon un petit peu métallisée, qui rappelle celui des barres des toits. De ce côté ici, on a la trappe. La trappe où on va recharger, comme je vous disais, donc sur cette version en 125 kW ou 110 sur la petite batterie. Donc on a bien sûr la prise normale sur toutes les bornes et la prise combo pour la recharge rapide sur toutes les bornes ou les bornes Unity ou autres. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que si un jour vous êtes en rade de batterie, que vous avez un concessionnaire Audi proche de chez vous, bah vous pouvez aller voir votre concessionnaire Audi pour vous dire bah voilà, j'ai besoin d'une petite recharge et normalement, il doit vous accepter la recharge. Alors, aujourd'hui, on l'a dans cette version normale, donc de Q4, et il va exister également en version Sportback. On aura l'arrière qui sera un petit peu plus plongeant, qui donne un look un petit peu plus dynamique à cette voiture. On verra pour l'essayer sur la chaîne également. Comme on est sur le côté, au niveau des jantes, on aura le choix de 8 jantes différentes, donc des jantes un petit peu plus classiques et des jantes un petit peu plus sportives, comme on retrouve aujourd'hui. Et donc, avec les valeurs que je vous ai données, si vous voulez recharger à la maison, c'est possible également sur la petite batterie, ça mettra environ 30 heures. Sur la grosse batterie, c'est 45 heures. Ça, c'est sur une prise à côté de la cafetière. Et ensuite, donc comme je vous disais, entre 30 et 45 minutes sur une prise rapide. Bon, sur l'arrière, voilà à quoi ça ressemble. Donc là, c'est pas allumé. Ce grand bandeau lumineux, alors j'arrive pas à l'allumer, parce qu'à chaque fois que je sors de la voiture, ça me coupe la voiture. Donc, regardez, je vous le montre. Comme ça, hop. Donc là, vous pouvez voir le grand bandeau lumineux qui traverse la voiture et je n'arrive pas à
laisser ses feux allumés. Est-ce que si je sors... Ah ! Alors, ce qui est bien avec cette voiture, c'est que dès qu'on lève ses fesses du siège, ça coupe la voiture, puisqu'on sort du véhicule, mais par contre, c'est embêtant pour vous montrer les feux. On a les clignotements défilant sur les côtés. Donc, l'animation lumineuse est vraiment très très sympa avec cette voiture, que ce soit à l'avant et à l'arrière. Sur l'arrière, donc, ce long béquet ici qui joue pareil pour l'aéro, l'antenne requin tout en haut, l'essuie-glace, toujours pratique quand on est assez incliné, toujours les anneaux, la plaque avec la caméra qui est cachée juste ici, bien cachée, et ce que j'aime bien, c'est qu'elle est bien centrée, et on a un petit souffleur qui va nettoyer la caméra. La poignée pour le coffre se trouve ici, alors je vous l'ouvre juste après. Ensuite, donc, on voit que tout est peint ici, tout est joli, pas de plastique sur cette version. Les capteurs qui sont là, les réfléchissants qui sont juste ici, le petit rappel e-tron comme on a à l'avant également, donc qui est gravé là-dedans, la carrosserie qui est imprimée dedans. Une sorte de petit diffuseur pour faire joli, bien sûr pas de pot d'échappement, on est sur une version électrique. Le Q4 de ce côté-là et la version que vous avez, donc 40 e-tron de l'autre côté. Pour ouvrir, haillon automatique. Ça, c'est le minimum de nos jours sur ce genre de voiture. Et dans le coffre, on aura un volume de 520 litres. 520 litres et on a en dessous un grand bac de rangement où on peut ranger tous les câbles. Comme vous voyez, un câble ici, encore d'autres câbles, le chargeur de la maison. Donc, ce qui est bien, c'est qu'on peut ranger tout ça là et les produits d'entretien en dessous sans avoir encombré le coffre. Et pareil, sur les côtés, on a de quoi mettre le petit kit de secours de chaque côté, plus des bouteilles ou autres si on veut ne pas que ça bouge. Ensuite, à l'intérieur, donc c'est 520 litres pour vous faire une idée. Ça laisse quand même beaucoup de place. Hein. On peut rentrer à deux ici sans souci. On a une petite accroche des deux côtés pour les sacs. Et ce que j'adore chez Audi, c'est ça. Ça me sort la boue de l'attelage juste ici. Donc hop, il y a juste à la mettre. Et pour la ranger, très simple avec le pied. Ah, oups! Je crois que c'est aimanté à l'intérieur, c'est vraiment top. Donc, avec le crochet d'attelage, on peut tirer jusqu'à 1000 kg derrière cette voiture. Ça, c'est pas mal. Dans le coffre, au niveau des banquettes, on est en 40-20-40 pour les sièges. Fixation top taser qu'on voit juste ici. Le triangle qui se situe là et le bouton pour verrouiller ou juste fermer le coffre à cet endroit-là. Bon, bah c'est parti, on passe à l'intérieur. Alors, à l'intérieur, on commence par l'arrière. On rentre facilement. Hop. On enlève l'appui-tête. Et waouh, je sens que j'ai vraiment de l'espace là. Donc le siège à l'avant est réglé pour moi, je fais 1m80. Regardez l'espace que j'ai ici. Je peux mettre une main entière, ça c'est du XL. Il y a de la place. Je suis bien, cet accoudoir là est confortable. Donc ça, je peux le relever. Ce qui est bien, c'est qu'il y a une petite poignée ici pour l'attraper, donc pas de languette ou autre, mais ils ont pensé à ce qu'on ne mette pas le doigt au fond. Donc parfait, ça. Regardez, là je suis bien, les sièges maintiennent bien en latéral. La ceinture est là sur le côté. Petit accoudoir ici, avec de quoi mettre une bouteille ici, une 50 centilitres, sans problème, plus des rangements dans le bas. Une finition en cuir. Après, on a du plastique un peu partout. Alors ça, c'est dommage. J'aurais bien aimé que ce soit un petit peu mieux. Le plancher. Je sais pas si vous avez fait attention. Plancher totalement plat ici. Donc ça, c'est le gros avantage des voitures électriques. Et ça donne aussi hein, la sensation de plus d'espace. Donc, là, je suis bien au niveau de la tête. Je ne touche pas. C'est creusé à cet endroit-là. Bien. Siège du milieu. Siège du milieu. Alors par contre, là je touche. Ça c'est dommage. C'est pas creusé. C'est creusé un peu plus loin en arrière, mais il faudrait que je sois comme ça pour ne pas toucher. Alors qu'en vrai, quand on est ici, on est comme ça. Bon, ça c'est peut-être aussi parce qu'on a le toit panoramique et ouvrant. Ce siège, bah, si vous êtes un petit peu moins qu'1m80, 1m70, ça passera. Plutôt confortable. Il est pas très très large. Alors moi je suis pas hyper large non plus, mais je sens que voilà. J'ai tendance à aller un poil sur les côtés. Le dossier un petit peu dur, comme c'est un accoudoir. C'est vrai que les places sur les côtés sont quand même beaucoup plus confortables. C'est enveloppant.
Et on se sent bien ici, on pourrait peut-être dormir. Oh. Non. Bonne place. Fixation, donc ISOFIX et Top Tether, donc sur ces deux sièges, comme je disais. Ici, on a la clim, donc on a la clim Trizone. On peut avoir des ports USB juste ici. On a des filets dans les sièges, donc cette partie en plastique, là le reste en cuir. Qu'est-ce qu'on a d'autre ici? L'éclairage LED pour nous, la troisième ceinture qui se trouve ici, et on est plutôt pas mal. À l'avant, ici, je rentre pareil très facilement dans ce véhicule, et ce qui est marrant dans les Audi, c'est comme les Volkswagen, c'est lorsqu'on va rentrer dans le véhicule et qu'on va poser notre popotin sur le siège, ça va nous démarrer le véhicule. Donc ça va nous accueillir, nous mettre les logos, activer les écrans. Et pour démarrer, il faudra mettre le pied sur le frein. Donc je remonte ça dès que je passe ici. Comme vous pouvez le voir, ma position de conduite, elle ressemble à ça. On peut le voir ici, là on a une console flottante. On a un grand espace ici, on a notre accoudoir qui est coulissant. On est plutôt bien. Là j'ai le toit ouvrant qui se situe juste au-dessus de ma tête. Donc il n'est pas trop reculé. J'en profite un petit peu même en étant conducteur. On a une position de conduite qui est agréable. On a les réglages, les sièges électriques, conducteur et passager aujourd'hui, avec ces sièges en finition S-Line. Et comme vous pouvez le voir, regardez ça m'enveloppe bien. Et normalement, je ne devrais pas du tout bouger dans ces sièges, même en conduite dynamique. Bon, je vous montre, point de vue conducteur, à quoi ça ressemble tout ce nouvel intérieur. Bon alors, l'intérieur à l'avant. Donc, voilà à quoi ça ressemble. Hop! Donc, comme je vous disais, lorsque je m'assois, ça m'allume cet écran ou autre. Et donc, regardez, dès que je vais appuyer sur l'accélérateur, ça me démarre tout. Enfin, pas l'accélérateur, le frein, excusez-moi. Donc, écran ici, écran ici. On va commencer, comme d'habitude, donc par le côté. Je vais me reculer un petit peu, donc j'ai les sièges électriques. On a sur la gauche ici, donc la porte avec les fenêtres. Impulsion pour toutes les fenêtres. Ici, les rétroviseurs avec les réglages pour les rabattre. Dégivrage des rétros et le réglage. Une poignée ici, alors attention, on pourrait croire qu'on pourrait mettre quelque chose, mais en fait, non, non, ça va en bas. Donc, finir dans ce bac ici, où on a de l'espace de rangement. De couvrir le coffre ici, donc, électriquement. La portière, donc, on a du moussé là, un petit plastique ici, une sorte de toile un peu synthétique ici, la poignée, verrouillage du véhicule. Mémorisation des réglages des sièges, aérateur ici. En dessous, on a les réglages pour les feux. Donc, le mieux, c'est de laisser en feu auto. Et ça, c'est pour les anti-brouillards à l'arrière. Ensuite, donc aérateur, le tableau de bord ressemble à ça. Donc là, alors, je ne sais pas si vous le verrez, on a un affichage tête haute qui est très bien avec la réalité augmentée. Donc, ce qu'il y a sur le groupe Volkswagen maintenant, ça marche très très bien. Ça se termine comme ça. Donc, on a pas mal d'espace ici, hein. Des petits haut-parleurs de la radio avec les enceintes Sonos, les aérateurs de l'autre côté là-bas, et comme on peut voir, c'est vraiment, on a une grande planche de bord ici, et ça donc on peut le personnaliser. Ici, il a une sorte d'alu brossé aujourd'hui, et là pareil, on pourra personnaliser, et selon les versions, là on pourra avoir ça qui s'allume ou autre. Ça va, il va y avoir plusieurs versions ici. Écran, donc hop, écran tactile avec un petit retour. Lorsqu'on clique, donc on n'a pas le retour haptique par contre, donc on ne sent pas lorsqu'on clique. Ensuite, on recommence plutôt par le volant. Donc le volant, ça me rappelle un petit peu les Audi des années 80, donc avec ces branches ici. Regardez là, on a un grand méplat ici, un grand méplat ici, et une sorte de deux parenthèses, donc plutôt original, et avec de quoi poser sa main ici, ici, au milieu, là où on veut. Alors c'est pas plus mal pour les gens qui font beaucoup de route. Ce volant, donc version S-Line, on peut pareil personnaliser l'intérieur ici. Sur le côté, alors ce que j'aime beaucoup, c'est que, regardez, on peut appuyer. Donc ça va me gérer ce qui se passe ici. Et on peut aussi le faire en tactile. Donc c'est et sensitif et de vraies touches. Donc ça, c'est bien. Pour les gens qui n'aiment pas le tactile, vous pouvez appuyer vraiment. Et pareil, ça marche pour défiler sur les côtés, en appuyant ou en tactile. Les vues du tableau de bord. Donc j'ai celui-ci, j'ai celui-ci, j'ai celui-ci. Et alors, il faut s'y faire un petit peu au début, mais par exemple, si je retourne dans navigation et que là je rechange de vue, je peux avoir l'écran de cette façon. Donc il faut naviguer et à la fois dans ce qu'on a là-haut et à la fois dans les vues.
Donc, hop, non, alors je retourne là-dedans. Et là, je peux avoir plusieurs vues, donc avec la navigation à chaque fois, sur le côté gauche ou en grand. Alors, c'est pareil. Si je retourne là, je veux retourner plutôt avec les véhicules. Et là, je peux avoir des vues différentes avec les véhicules. Donc, c'est vraiment pas mal de réglages. Une fois qu'on s'y fait, on arrivera à connaître. Donc ça vient pour les menus, et ça va être plus pour la radio, la musique, décrocher au téléphone et une touche favori ici. Pareil, vous avez la commande vocale qui marche plutôt bien. Derrière, on a des palettes pour la récupération d'énergie, pas de conduite à une pédale, un petit peu dommage pour moi, il y a des gens qui ne l'aiment pas du tout, mais on a trois niveaux de récupération. Donc par exemple, lorsque je passe en drive, donc là on peut voir un petit carré ici, et lorsque je clique sur moins, un carré qui se remplit, deux carrés qui se remplissent, trois carrés qui se remplissent. Donc ça, je peux vraiment le gérer de cette façon. Ou sinon, j'ai le mode B ici, on y revient juste après. Donc hop, le volant, donc le klaxon. Ici, derrière le volant, on a pour les feux, on a le maintien dans la ligne qu'on active en appuyant sur le bouton ici. À droite, on a les essuie-glaces, donc bien sûr, feu automatique, essuie-glace automatique. Les réglages pour le régulateur adaptatif et la conduite, donc c'est ici. On tire pour l'activer, on monte la vitesse comme ça, on baisse la vitesse comme ça et on désactive comme ça. On règle la distance avec ce tout petit bouton ici, là, comme ça, donc les lignes, à savoir si vous voulez beaucoup de distance ou moins de distance avec le véhicule qui vous précède. On a le limiteur en appuyant sur le dessus. Le pédalier ressemble à ça, donc pédalier aluminium ici, avec un bon repose-pied sur le côté gauche. Le volant est réglable en hauteur et en profondeur. Donc, hop. Hop. Donc on trouvera pareil le réglage qui nous convient parfaitement. Sur la droite, aérateur, donc cet écran ici, comme je vous le montrais, donc on a quelque chose d'assez simple, on peut bien sûr connecter l'Android Auto, l'Apple CarPlay. Il est smooth, on a l'impression que c'est du verre, c'est qualitatif, ça se fond bien là, vraiment dans le tableau de bord, c'est joli. En dessous, le système de climatisation, donc des vraies touches, du physique, ça c'est bien, parce que c'est beaucoup plus pratique. Donc siège chauffant sur trois positions pour moi et pour le passager. On peut avoir en option le volant chauffant également, la clim automatique. Ensuite, donc là j'ai la clim, on a plusieurs modes, max, éco, on et off. L'idéal c'est de se mettre en éco, puisque ça va nous changer l'autonomie de la voiture. Quand on met max, on va perdre en autonomie. Regardez, par exemple, là, je suis en max, 359 d'autonomie. Je passe en éco, je passe à 372. Donc, je vous conseille le mode éco pour la clim. Ensuite, ici, plus bas, on a donc sur cette partie flottante, regardez comme on peut le voir, c'est vraiment cette partie qui ressemble un petit peu comme sur un yacht, un pont qui ressortirait sur un yacht. On dirait un peu un bateau ici. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Avec l'arrière où ça nous ferait une sorte de terrasse sur un yacht. Je vois comme ça. Le Drive Select, donc qui nous permet ici d'avoir les différents Drive Select, Efficiency, Confort, Auto, Dynamique et Individuel. Individuel, on peut personnaliser selon si vous avez les suspensions adaptatives et autres. On aura pas mal de réglages avec le DCC, tout ça. Les Warnings un petit peu plus bas. Ça, c'est le bruit des Warnings. De quoi désactiver l'ESP. Le bouton Start and Stop, alors qui pour moi ne sert à rien, puisqu'à chaque fois qu'on rentre dans la voiture, on n'en a pas besoin. On a juste besoin de se mettre en parking et quitter le véhicule pour qu'il se coupe ou de rentrer et appuyer sur le frein pour qu'il s'active. Ça, c'est les aides à la conduite. Ça, c'est les caméras 360. Alors, normalement, on peut l'avoir là, mais elles ne sont pas activées. Il faut attendre la mise à jour sur ce véhicule qui est un véhicule presse. Donc, on aura les caméras 360. Ici, le son pour le volume. Donc, je peux en tournant comme ça ou je peux aussi faire le volume ici. Changer de radio, couper le volume. Le frein de parking ici, où la touche parking est là, directement. Donc ensuite, on n'a que trois choses ici, ou quatre avec le mode B. Donc, lorsque je passe en marche arrière, ainsi, ça passe en rouge sur le R, neutre, ça passe ici, donc au moins on le voit bien, ou drive ou B. Donc, lorsque je suis en drive, ça me le met ici, et si je suis en B, je tire une fois de plus, et ça me met en B au tableau de bord. Le B, lorsqu'on fait ça, donc, et je ne sais pas si vous pouvez le voir, c'est éclairé ici. C'est joli, de nuit, on voit bien où utiliser cette partie. Donc le B, ce sera le freinage régénératif, comme si on avait tiré trois fois la palette d'un coup, et ça restera tout le temps.
Parce que si on active le régulateur et qu'on réaccélère et qu'on freine, ça se désactive ici les freinages régénératifs. Alors que lorsqu'on est en mode B, ça restera en mode récupération maximum. Ensuite, plus bas. Ici, regardez, là j'ai mon smartphone. J'ai de quoi le mettre de cette façon ici, puisqu'on a le chargeur induction. Et regardez, grâce à ça, ça me le tient et ça fait en sorte qu'il ne bouge pas. On a deux ports USB-C, une petite prise 12 volts avec l'allume-cigare et encore un grand rangement ici où on pourrait ranger son smartphone sans souci de cette façon. Porte-gobelet ici, double porte-gobelet. Hop, ça, c'est ma petite carte de recharge. La couloir qui coulissant, on peut relever assez profond. On pourra mettre des petites bouteilles 50 cl et on pourra régler cet accoudoir pareil en hauteur selon la hauteur qu'on désire. Pas mal. Les sièges donc de cette version S-Line ici ressemblent à ça. Ils sont plutôt confortables, ils sont jolis, ils sont moelleux et il y a un bon maintien sur les côtés. On voit que c'est bien rembourré là. Et là, on dirait presque des sièges vraiment sportifs. Fixation ISOFIX sur ce siège également. La porte, elle ressemble à ça. Et voilà, on a à peu près fait le tour. On n'a pas parlé de là-haut. Alors moi, j'aime bien quand c'est à droite pour récupérer le pare-soleil. On a de la LED blanche en haut. Ça, c'est bien. Coucou. On a la poignée ici, conducteur. La touche SOS juste ici, les lumières qui s'allument en tactile et ça s'allume progressivement et ça s'éteint progressivement, ça pique pas les yeux d'un coup. Le rétro borderless, très joli. Au niveau de la visibilité à l'arrière, on voit plutôt bien. Moi, j'ai pas eu de soucis avec ça. Et ce toit donc panoramique et ouvrant donc la partie avant qui s'ouvre. Il est plutôt pas mal, c'est joli. C'est pas le plus grand de tous les toits, mais il est très sympa. Bon alors, on va commencer l'essai de ce Q4 e-tron en ville. Et on va aller là, par exemple, traverser un petit bout de l'Île-de-France. Donc je vais partir de environ l'aéroport d'Orly jusqu'à Disney et faire un aller-retour. Donc, j'avais récupéré la voiture à 100% d'autonomie. Et là, j'en suis à 79%. J'ai fait 53 km en ayant fait quelques tests d'accélération, en ayant laissé la clim tout le temps, en ayant mis un petit peu de chauffage, parce que ce matin, il faisait très froid. Pour un 1er septembre, c'est pas normal. Donc là, en gros, avec 20%, j'ai fait 53 km. On va continuer cet essai et voir sur tout type de route. Donc là, on commence par la ville. Je mets le mode drive. Donc là, ça m'active le volant. Puisque lorsqu'on est en parking et qu'on vient juste de monter, le volant reste dur. À partir du moment où on met le mode drive, on comprend que okay, la voiture est prête à y aller. Donc hop, c'est parti. Donc ce qui est bien aussi, c'est, regardez, là je freine. Dès qu'on arrive à l'arrêt, j'ai le auto hold. Donc on va commencer en mode drive simple. Ensuite, on va voir les modes de récupération et le mode B. Donc en drive simple, ce qui est bien, c'est que dès que je relâche, j'ai un mode roue libre. Ça permet aussi... Parce que, en gros, ce qu'on cherche, c'est des kilomètres. Si par exemple vous accélérez, vous mettez en mode roue libre, bah, si par exemple vous accélérez 100 mètres, vous faites 300 mètres en mode roue libre, ça va forcément prolonger votre autonomie. C'est pareil sur autoroute, vous pouvez mettre du roue libre de temps en temps si vous gérez la pédale accélérateur. Alors, vous allez accélérer un petit peu, ralentir doucement, réaccélérer un petit peu, mais ce sera mieux des fois que rester tout le temps constamment avec le régulateur. Donc là, par exemple, roue libre, je relâche, j'anticipe un petit peu. Ça ralentit gentiment et je peux freiner. À chaque freinage, ça récupère un petit peu d'énergie. Et en fait, en conduisant comme ça, ça va eh bien, nous permettre d'optimiser la récupération d'énergie. Enfin, pas la récupération, mais le fait de ne pas consommer. Ensuite, après, on a les palettes. Donc, on a trois niveaux de récupération d'énergie, comme je vous disais. Donc, 1, 2 ou 3. Donc, le 3, c'est l'équivalent du mode B ici. Donc, cette fois-ci, par contre, dès que je relâche, j'ai quasiment l'équivalent d'un freinage léger, donc avec une légère pression sur la pédale de frein. Donc ça c'est bien aussi, ça permet en ville par exemple de ne pas avoir à freiner là et juste de jouer avec l'accélérateur. Le but de l'électrique c'est vraiment l'anticipation, ça c'est vraiment la chose la plus importante avec ce genre de voiture. Donc soit je me mets le roue libre et j'utilise moi-même le frein. Ce qui est bien c'est avec le mode roue libre, c'est comme si on était au point mort, donc au neutre avec une voiture thermique. Donc c'est vraiment... Ça se laisse rouler.
À l'arrêt, zéro vibration, rien du tout. Le seul son qu'on va entendre, c'est le son de la climatisation, donc de la ventilation. À part ça, on n'entend rien. C'est confortable. Dans les sièges, on est plutôt bien. On a des réglages partout sur les sièges. J'aime bien, c'est confortable. Donc le hot hold, j'avais pas freiné au stop ou au feu. Ça, c'est un avantage pour moi. Après, on a toutes les aides à conduite. Ça, je vous montrerai juste après. Là, il n'y a personne devant nous. Mais en gros, la voiture suit les fils et suit la voiture de devant. Ça, c'est super pratique sur national, départemental, autoroute. Dès qu'il y a des longs trajets, c'est le top du top. Donc, hop, les freinages, pareil. C'est agréable, c'est délicat. Ça récupère de l'énergie. Et à la réaccélération, donc là, je suis en mode normal. On a 204 chevaux. C'est un répondant plutôt correct. Il me semble que le 0 à 100 est en 7 secondes 4, ce qui est pas mal. Donc, comme je disais, c'est une propulsion. Donc, ce qui est bien, c'est que ça motrise bien. Souvent, avec des électriques en traction, quand on appuie à fond, ça patine un peu. Alors que là, comme c'est en propulsion, pas du tout. Ça, c'est un avantage. Hop. Et par exemple, si je passe en mode sport, j'ai mon drive select ici. Hop, dynamique. Ça s'appelle dynamique passeport. J'ai un petit peu plus de répondants. Alors, c'est pas transcendant sur cette version, puisque on a que 204 chevaux. Mais on sent qu'il y a, voilà, ça y va un petit peu plus. Ah, et est-ce que confort? Ah oui, ça va enregistrer si par exemple en mode auto ou en dynamique, ça me met directement 2 barres de récupération. Alors, je vais essayer de mettre 3 barres. Et alors, je vais retourner en mode confort et je retourne en dynamique. Ok, donc selon le mode que vous avez utilisé, il va se souvenir de la récupération que vous aviez utilisée. Ça, c'est pas mal. Bon, comme vous pouvez le voir là dans les ronds-points, sur les petites routes, c'est très agréable à conduire. Vraiment, même la suspension, donc on n'a pas la suspension pilotée. Et ça reste vraiment bien. On est toujours dans le silence. C'est très agréable, la direction est facile. Donc même en virage. Là, je vais prendre un peu de rythme, regardez. Je ne bouge pas de mon siège, pourtant elle en va très vite. Ça s'ouvre un petit peu parce que c'est un petit peu lourd quand même. Mais j'étais très très bien maintenu dans mon siège. Et ça, c'est un gros gros plus. Bon, et je peux aussi avoir donc mes aides à la conduite en ville. Donc, je me règle la vitesse que je souhaite. Et la voiture, donc j'appuie sur l'accélérateur au début. Et maintenant, regardez, comme vous pouvez le voir, je ne touche à rien. La voiture suit les lignes et suit la voiture de devant. Donc ça, c'est un gros plus lorsqu'on fait beaucoup de villes et qu'on est dans les bouchons. Donc avec la réalité augmentée ici, j'ai une petite barre qui se met en dessous de la voiture qui me précède pour dire je suis bien une autre voiture. Et alors quand elle bouge, c'est pareil, la voiture, elle bouge avec. Donc regardez, là je touche vraiment à rien, ni aux jambes, ni aux mains. Alors par contre, quand il y a un feu, il va falloir que je m'arrête. Donc pour le moment, mais il y a une mise à jour qui va être faite pour justement que ça s'arrête avec les feux. Bon alors, là on est passé sur une route à 90, bon, on est à 50, la région parisienne. Donc je m'active mes aides à la conduite, je monte de 5 en 5 de cette façon, 90 km/h et plus rien, ça... C'est ce que j'adore avec ces aides à la conduite. Là en plus, on est en voiture électrique, ça consomme pas d'essence, ça fait pas de bruit, ça fait pas de vibration, ça conduit tout seul. C'est quand même un régal. Donc, la voiture suit la voiture de devant. J'ai mon GPS avec la réalité augmentée si je souhaite, donc ça m'affiche les lignes, etc. Ça m'affiche là où je dois aller. J'ai vraiment tout. C'est parfait. J'utilise moi... l'Android Auto avec Google Maps, c'est ce que je préfère, même si il est vrai que le GPS de la voiture marche plutôt bien. Avec donc l'ACC, le régulateur adaptatif qui gère tout l'environnement, qui gère le centrage de voie. Donc comme vous pouvez voir là depuis tout à l'heure, je touche à rien, le volant bouge tout seul de gauche à droite pour être bien centré. Lorsqu'il va y avoir un virage, la voiture va ralentir automatiquement, c'est géré avec le GPS de la voiture. Pareil en virage ou autre, quand on a un rond-point, à l'approche d'un rond-point, la voiture va ralentir. Ça c'est quand même vraiment parfait. Ça ne double pas encore tout seul, ça c'est dommage. Et ensuite ça se remet dans les lignes. Et c'est reparti. Je me laisse conduire. Là,
on est à 90 km/h. Comme vous pouvez l'entendre, c'est vraiment calme dans l'habitacle. Très peu de bruit de roulement malgré des jantes en 21 pouces tout de même. Quasiment pas de bruit du vent. L'insonorisation est bien, là une voiture qui va passer. Je l'entends quasiment pas. C'est agréable. La suspension filtre bien tous les petits défauts. On est sur quelque chose de bien. Là je suis en mode efficiency, donc ça me bride la voiture à 130 km/h. Je me suis dit je vais essayer de conduire un peu plus cool. Donc là je laisse le régulateur de vitesse, mais je pourrais rouler moi-même avec le pied, donc par exemple avec le mode roue libre qui me ferait économiser encore plus, puisque là au final la voiture elle va essayer tout le temps de suivre celle de devant et pas forcément aller chercher l'efficience maximum pour pouvoir faire le maximum de kilomètres, même si ça se déroule quand même plutôt pas mal. Mais à 110, donc lorsque je reste appuyé ça monte vite, ça va 10-110 ensuite. Regardez, donc là je suis en mode efficiency, ça relance correctement pour suivre la voiture de devant. Ça s'adapte s'il y a quelqu'un qui se met entre nous. Sonorisation là des camions sur le côté, c'est plutôt correct. Donc à 100 km/h, on commence à légèrement avoir un petit peu de bruit du vent. Là on arrive bientôt à 110, voilà, on est à 110, très légèrement de bruit du vent au niveau du pare-brise. Après à 110 c'est normal, hein. Aucun bruit de moteur, on n'a pas de moteur thermique, donc pas de bruit de moteur, pas de vibration, pas de bruit d'électricité, quoi que ce soit, très confortable. Franchement c'est bien, juste un petit peu de bruit du vent qu'on entend, mais c'est normal puisqu'on n'entend rien d'autre. Les rétros, j'ai une bonne rétrovision, ils sont assez grands, j'ai l'affichage d'angle mort également. C'est parfait. Faudrait qu'un jour j'essaye de faire un très long voyage, par exemple faire un Paris-Marseille en voiture électrique, voir vraiment ce que ça donne, puisque à chaque fois donc je me fais quand même des recharges, mais j'ai jamais fait un très très long trajet. Je pense que ça doit être très agréable tout de même. Bon allez, on va se mettre à 130, hop, donc 130, ça réaccélère gentiment. Donc là, j'arrive à 130 km/h, pareil, toujours aucune vibration dans l'habitacle, toujours aucun bruit de moteur ou autre. Très très léger bruit de roulement, mais c'est vraiment très très léger. Et surtout, bah, ça roule bien. Par contre, là, je suis un petit peu en montée. À 130 km/h, ça consomme un petit peu plus. On est aux alentours des 28-30 kWh au 100. Juste du bruit du vent, donc un petit peu au niveau du pare-brise. Et à part ça, bah, pareil, toujours mes aides à la conduite sur autoroute. C'est parfait. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que sur autoroute, à 130 km/h, on va grandement diminuer l'autonomie à 130. Donc, ça reste une Audi. C'est une voiture premium. Ça se débrouille bien. On soit à 90, à 110, à 130, peu importe. En tous les cas, ce sera confortable et agréable. Bon alors, 100 km depuis le départ, donc depuis les 100%, il me reste 68%. Donc ça veut dire qu'en 100 km, j'ai utilisé 32% environ. Il me reste actuellement 309 km d'autonomie. Donc cette autonomie tient compte de la moyenne avec ce que j'ai fait comme trajet jusqu'à là. Donc en ayant fait un petit peu de national, là je suis à 110 sur l'autoroute. Bien, ça fait plaisir de ne pas avoir vraiment à trop se soucier de l'autonomie. Donc forcément si je reste un petit peu plus à 110, ça va descendre un petit peu en dessous des 300. Donc là je passe à 306. On va peut-être faire un petit poil en dessous. Mais voilà, je ne me dis pas ah, quand est-ce que je vais devoir recharger, à quel moment je vais devoir m'arrêter. J'ai pas ce stress. Donc là pour le moment, depuis le départ, j'ai une consommation à 19,7 kWh au 100 km. Donc sur ces 100 premiers kilomètres avec ce véhicule. C'est correct hein, puisque j'ai vraiment fait tout type de route, un petit peu d'autoroute nationale, départementale. Donc voilà. Bon alors, au final, ce Q4 e-tron, qu'est-ce qu'on en pense? Ça reste une bonne voiture, c'est une Audi, donc c'est assez premium, c'est confortable, c'était bien insonorisé, ça roule bien, c'est fait pour faire de la route. Le côté électrique, bah, avec cette batterie, donc 82 kW ou 77 en réel,
Moi, j'ai quasiment terminé l'autonomie. Ça m'a amené à 400 km environ, à quelques kilomètres près parce que je ne l'ai pas vidé à fond. Mais l'autonomie avec ce que j'ai parcouru et le restant qui m'affichait au compteur, ça me donnait 400 km. Donc elle était donnée pour 480 en WLTP. Alors WLTP, c'est vraiment les conditions optimales, etc. Et donc moi, là, avec les conditions que j'avais, alors c'était plutôt pas mal, hein, il faisait à peu près les bonnes températures, on était entre 15 et 25 degrés, j'ai réussi à faire l'équivalent de 400 km, avec une moyenne à environ 18 kWh au 100 km. C'est plutôt correct, c'est pas la plus efficiente, mais pour moi, 400 km, ça convient déjà pas mal, hein. Ça permet de faire pas mal de choses. J'ai pas traversé la France ou autre, mais j'ai fait vraiment que l'Île-de-France avec pas mal de 110. À 110, je l'ai trouvé plutôt économique. Et ensuite, vraiment tout type de route, de la ville, etc. Alors, soit on joue en anticipant avec le roue libre, soit on prend la récupération. Moi, j'avoue que j'ai surtout conduit au régulateur. J'aime bien me faire conduire, donc régulateur adaptatif, la voiture conduit toute seule. Et voilà, ça m'a donné 400 km d'autonomie en moyenne. Donc en hiver, il faudra se dire qu'on perd un petit peu avec le chauffage. Là, j'ai toujours laissé la clim à 21 degrés. Donc il y a eu un petit peu de chauffage le matin, il y a eu un petit peu de chauffage, de climatisation les après-midi pour refroidir. Et voilà, c'est confortable à conduire, c'est agréable, c'est joli. J'ai bien aimé. Dans les points négatifs, je vous avoue que j'en ai pas vraiment. C'est assez spacieux à l'arrière. Un grand volume de coffre, alors peut-être voilà, j'aurais bien aimé un fringue à l'avant pour pouvoir mettre les câbles plutôt qu'à l'arrière. À part ça, bah pas grand chose à dire. N'hésitez pas vous à me dire si il y a des points négatifs que trouver sur cette voiture, des points positifs. Est-ce que pour ce budget là vous prendriez cette Audi Q4 e-tron ou ces petites sœurs du groupe qui sont sorties un petit peu avant, qui ressemblent pas mal, hein, qui ont un petit peu les mêmes bases, les mêmes batteries et autres. Donc par exemple avec la Skoda ou la Volkswagen. Sauf que là, on est quand même un petit peu plus premium sur la voiture. Il y a le Enyaq qui ressemble un petit peu avec une philosophie différente, un design différent. Mais là, on garde ce look Audi et à l'intérieur, cette rigueur et ce côté un petit peu sobre, classe, avec quand même cette nouvelle console centrale qui amène quelque chose d'un petit peu plus moderne comparé aux Audi qu'on avait jusqu'à là. Bon, c'était Nicolas, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.